Avant d'aller plus loin dans la vidéo, vous devez savoir que j'ai un partenariat avec Blueset. C'est l'entreprise qui est venue installer notre phytoépuration. Alors le deal avec Blueset est simple, je parle de lui au travers de mes vidéos, et en contrepartie, il vient installer cette phytoépuration. Si vous vous demandez pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même, regardez la vidéo précédente et vous comprendrez, il y a un moment, ça devient vraiment difficile de faire tout seul. Un projet d'autonomie, c'est un vaste chantier, et vouloir faire tout seul, je suis sûr que c'est le burn-out assuré. Alors oui, je cherche à nouer des partenariats avec des entreprises. Si c'est contraire à votre éthique, vous pouvez fermer la vidéo. Avant de vous faire le petit tour de l'installation, pour vous expliquer les principes, il faut déjà comprendre le pourquoi. Pourquoi on a choisi d'installer une phytoépuration ? En arrivant dans cette maison, on savait que l'assainissement n'était pas aux normes et que pour avoir l'agrément du SPANC, il fallait tout revoir. Ce qui nous a motivés pour ce genre d'assainissement, c'est surtout l'idée d'avoir un système autonome que l'on maîtrise et complètement passif. Pas de technologie ou de maintenance. Bref, quasiment rien à gérer si ce n'est un peu de jardinage pour entretenir la flore dans les bassins. Il faut savoir qu'une phyto ne demande pas de vidange comme une fosse septique, car toutes les boues sont consommées par les plantes. Et question nuisance olfactive, je peux vous dire que l'on a constaté tout de suite la différence avec la fosse septique qui était installée juste sous la terrasse. La phyto, ça pue pas. Enfin, si on fait pas comme moi. J'ai fait un petit essai d'arrosage du jardin en pompant directement l'eau dans le premier bassin dont j'avais fermé la vanne. Cette vanne, je vous en reparle un petit peu plus loin. Franchement, c'est pas à refaire, car non seulement ça pue, mais en plus, l'eau grasse vient encrasser la pompe, les tuyaux et les aspergeurs. C'est pour ça que c'est important d'avoir une phyto avec deux filtres, pour avoir un traitement complet. Si vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça, sachez que j'ai aussi en tête l'idée de pouvoir produire des légumes avec les eaux noires ou grises que l'on rejette. J'ai très envie de faire quelques expériences et d'envoyer ma production en analyse pour voir si les légumes sont consommables. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est interdit à ce jour d'utiliser l'eau d'assainissement pour arroser le potager. Mais comme un sale gosse, j'ai un peu envie de faire de ce qui est interdit. Blague à part, je pense qu'il y a moyen de réutiliser cette eau grise d'une meilleure façon qu'en la rejetant dans le sol. Si cette eau grise peut faire pousser les plantes de bassin, sûrement qu'elle pourra faire pousser quelques légumes supplémentaires dans mes bacs. Comme troisième raison en faveur du choix phyto, c'est que l'on voulait maîtriser tout le cheminement de l'eau qui, venant du ciel, est collectée par les gouttières, tombe dans la cuve où elle est pompée pour alimenter la maison et le jardin. Puis repart dans la phyto pour être purifié et finalement se jeter dans la mare. On rejette en moyenne 100 litres par jour. Alors imaginez la surface que l'on pourrait cultiver avec 100 litres d'eau tous les jours pour arroser. Finalement, la phytoépuration nous paraissait plus en accord avec notre choix de vie. On a choisi de vivre au pied de la forêt pour être entouré de nature. Donc en installant ces deux bassins pleins de plantes et de vie, on a fait le choix de l'esthétique et de la biodiversité. Contrairement à d'autres phytos, mais il n'y a pas de roseaux, mais plutôt un mélange de plantes. On sait déjà aussi que notre eau rejetée n'est pas trop nocive pour l'environnement, car il y a déjà des grenouilles qui se sont installées dans la mare. Les produits les plus dangereux, ça va être un peu de lessive et un peu de savon. Peut-être savez-vous aussi que l'on a un terrain en pente et que ça vient souvent rendre les travaux plus complexes. Je suis content de pouvoir vous dire que dans le sujet phyto, les pentes sont un avantage. Pour éviter les pompes, les pentes permettent de faire cheminer l'eau par gravité. Et sur un terrain plat, c'est pas toujours facile de placer les bassins sous les évacuations. De même que pour placer le bassin de filtration horizontal, il faut descendre de 50 cm sous le bassin de filtration verticale. Dans notre situation, on a pu assurer complètement le cheminement de l'eau jusqu'à la mare par gravité. Dans le deal que j'ai passé avec Blueset, je devais lui fournir tous les matériaux et préparer les bassins. Ici, j'ai fait le choix de bassins en béton pour des raisons propres à notre situation, car les bassins ainsi assurent aussi la fonction de soutènement des talus. Sachez que l'on peut faire beaucoup plus simple et plus économique. Un simple trou dans le sol, bâché avec un EPDM et le tour est joué. Voyons un peu plus en détail le premier bassin dit de filtration verticale. Comme vous pouvez le voir, les eaux grises tombent de ce tuyau sur le couvercle d'un regard pour éclater les solides et répartir mieux l'eau vers les plantes. Ce bassin est dimensionné pour une habitation de 4 personnes et profond de 80 cm. Il peut recevoir les eaux noires des deux toilettes à eau encore installées dans la maison.
On reparlera de ces histoires de réglementation un peu plus loin. Bref, les eaux usées tombent dans ce bassin plein de pouzzolanes. Les solides sont retenus en grande partie et l'eau grossièrement filtrée peut ressortir rapidement par ici. Blue 7 annonce 15 minutes maximum pour que l'eau traverse le premier bassin. Ce qui veut dire que les œufs de moustiques n'ont pas le temps de se développer. Sauf si vous fermez la vanne. Ce que j'ai fait pour faire monter le niveau de l'eau jusqu'à la surface. Cette vanne, en fait, elle est surtout là pour permettre de partir en vacances et d'éviter que les plantes meurent déshydratées durant votre absence. Cette petite vanne permet de rendre cette phyto adaptable aux résidences secondaires. Par contre, ben vous l'avez compris, il ne faut pas faire monter l'eau jusqu'à la surface. Le regard que vous voyez en surface n'est pas inclus dans l'installation préconisée. C'est ici que je pompais l'eau pour arroser. En faisant ça, ben je m'expose aux odeurs et aux moustiques. Je vais enlever ce regard, car je vais plutôt pomper l'eau dans le bassin horizontal qui, lui, reste en eau. Donc ce bassin horizontal, comme son nom l'indique, doit permettre à l'eau d'être filtrée en partant de cette arrivée pour aller jusqu'à cette sortie. Il fait 1,30 m de large par 4 m de long et profond de 50 cm. Ce bassin est aussi rempli de pouzzolanes et à la différence du premier bassin, il est prévu pour rester en eau. C'est avec ce tuyau que l'on règle le niveau d'eau dans le bassin. Il doit être 10 cm sous le niveau de la pouzzolane. Je vais faire couler un petit peu d'eau et vous allez constater par vous-même la couleur de l'eau. Vous voyez qu'elle est déjà très claire et pourtant les bassins viennent tout juste d'être plantés. Les plantes n'ont encore que peu d'efficacité. Bref, c'est ici que je vais pomper pour alimenter une table de culture dans le genre de mes bacs d'aquaponie. L'eau pompée pour la table de culture retournera dans ce bassin et le trop-plein terminera dans la mare qui devrait être bâchée sous peu. Avec la mare, on pourra espérer une réserve totale de 80 mètres cubes, ce qui devrait nous permettre de passer les mois de canicule sans restriction d'arrosage pour le jardin. Alors parfois, j'ai un peu l'impression d'être le bossu dans Manon des Sources. Vous savez, quand il fait ses calculs avec ses lapins là, pour rendre son projet viable. Bien entendu, je vous montrerai l'installation quand elle sera en place. Si on en revenait un peu sur cette réglementation. Si vous nous suivez, vous savez que l'on utilise des toilettes sèches et donc on ne rejette plus que des eaux grises. Enfin, gris foncé, hein, parce qu'il y a encore un peu de caca du bébé. Ce qui veut dire que notre assainissement est surdimensionné. Alors j'ai grincé des dents hein, quand j'ai appris que j'avais beau utiliser des toilettes sèches, si je voulais avoir le tampon du Spank, il fallait que j'en passe par une phyto capable de gérer les eaux noires d'une habitation équivalente à 4 personnes. Je pense que j'aurais pu défendre mon dossier en supprimant les toilettes à eau. Mais vu le peu d'intérêt que suscite l'assainissement et les a priori qui planent encore autour des toilettes sèches, je me dis qu'il vaut mieux conserver ces toilettes à eau, même si on ne les utilise plus. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, et une maison sans toilettes à eau, c'est encore un frein pour beaucoup de Français. On s'en rend compte quand on reçoit. Il y a toujours une petite suspension du temps quand on annonce aux invités qu'il y a des toilettes sèches. Certains même sont soulagés quand on dit qu'il reste les toilettes à eau et qu'ils peuvent être utilisés. C'est vrai que dans un premier temps, je ne voyais que mon propre intérêt. Je rageais de devoir surdimensionner mon installation. Seulement, le Spank ne raisonne pas comme moi. Il voit que la maison peut accueillir une famille de 4 personnes qui peut dans l'avenir abandonner les toilettes sèches et charger la phyto avec des eaux noires. C'est vrai que pour un propriétaire, c'est difficile de vouloir faire sans l'avis du Spank. L'administration a bien ficelé son affaire en imposant ses diagnostics immobiliers. Quand je fouille le sujet autour de la phytoépuration, c'est surtout l'idée d'autoconstruction qui ressort. Alors c'est vrai que finalement, c'est assez facile à faire. En gros, c'est deux bassins rendus étanches par une bâche PDM. Il n'y a pas de technologie à mettre en place et le principe est assez bien expliqué sur Internet. Alors pourquoi le faire réaliser par un pro? Pour ma part, c'est une question de temps, de coût et de Spank. Pour le temps, comme je vous le disais, un projet d'autonomie est un vaste chantier et si je peux me faire aider en créant des partenariats avec les entreprises, alors je le fais. Pour vous donner une idée dans ma situation, ce qui a pris le plus de temps, c'est la construction des deux bassins en béton. Comptez 15 jours de travail à deux. À côté, la pose de la bâche, le remplissage et la plantation ne prennent que 2 jours. Question coût, comptez entre 3 500 et 4 000 euros pour les matériaux, si vous achetez en tant que particulier. Sachez qu'un professionnel touchera ces matériaux moins cher que vous. Il faudra aussi louer une mini-pelle, savoir la manier, à moins que vous ayez le courage de jouer avec la pelle et la pioche.
Ça fait un beau volume de terre à manier. Comptez 6 mètres cubes pour le premier bassin et 3 mètres cubes pour le second. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle. Et tout ça, c'est sans prendre en compte le côté administratif. Et là, pour ma part, j'avais vraiment pas envie de gérer les dossiers avec le Spank. Voilà, vous en savez un peu plus sur l'installation d'une phytoépuration. Je vous en reparlerai au moment du nettoyage de la végétation et surtout quand j'aurai installé mes bacs de culture. Si vous avez envie d'échanger avec moi et les petits copains autour de la phyto et de l'autonomie au sens large, alors rejoignez-moi sur le forum. À bientôt.